crazy mother. Salut bande de fous, bienvenue sur la chaîne Master Geek, c'est Anto. Aujourd'hui je vous fais mon petit unboxing, un unboxing bien en retard, parce que du coup je vous fais le Xbox du mois de février et la Woodbox du mois de mars. Donc dans la première Woodbox le thème c'était Chaos, le deuxième Légende, donc bah voilà, est-ce qu'on est bien? Hop, on est plutôt bien même. Donc c'est les dernières Woodbox que je vais avoir, parce que mon abonnement du coup c'était tout pour moi que j'avais eu en cadeau par ma chérie. Peut-être que plus tard un jour je reviendrai et je le ferai, mais pour l'instant c'est un peu ghetto. Donc comme d'habitude, ce petit manuel avec tout ce qu'il y a dedans, tout ce que t'as pas eu, tout ce que j'ai pas eu, dont la méga woodbox. Ils ont dû oublier mon adresse, je crois. Donc dans cette woodbox direct, vous avez des petites mitaines de Deus Ex qui sont bien sûr pas ma taille, donc c'est parfait. Mon cadre sous le maillot, je crois. Ensuite vous avez une petite flasque. Je me mets assez loin parce que... Tu vas te faire engueuler avec le micro, toi. C'est autorisé, ça. Comme ça, là. Donc, vous avez une petite flasque comme ceci, qui est plutôt d'art, à la Mad Max. Plutôt sympatoche. Je fais ça. Ensuite, un t-shirt daubé. Un t-shirt que je suis pas du tout fan. Mais bon, t-shirt quand même. T-shirt de pyjama. Pour choper, c'est la base. Donc voilà. Une petite figurine plutôt sympa. Petite figurine Fallout. Je vais essayer de vous la déballer. Sans foutre trop de bordel. Ou pas. C'est bien. Sans foutre de bordel, oui. Donc voilà. Bon, les figurines avec les grosses têtes, hein, je suis pas fan du tout, mais bon. C'est cadeau. Et on finit par un petit pins. Je sais pas du tout d'où ça vient, mais c'est un petit pins. Petit pins quand même. Plutôt sympa. Ça fait un petit goodies en plus. Donc voilà pour le mois de février du thème chaos. On passe au mois de légende. Et le mois de légende, par contre, je suis plutôt fan. Tiens. J'ai plutôt été gâté. À part une figurine d'Obi que je vais vous faire voir. Le Comar, bien sûr, est kiffé, mais bon. Ok, il se fait enlever. Bien sûr, toujours le petit manuel avec la base dedans, la méga woodbox. Est-ce que t'aurais pu gagner ce monsieur? J'aurais pu gagner une grosse méga woodbox que je n'ai pas eu. Dans cette woodbox, en plus, dans la méga woodbox, vous avez toute l'édition collector de Horizon Zero Dawn, plutôt sympathique. Un petit pack Logitech avec une petite caméra, un casque à 600 balles. La Switch, accessoirement, avec Zelda, à 500 balles et la manette. Et toute la collection Dragon Ball Z. Que je kiffe pas du tout, mais ça bon. Peut être une super woodbox, on a hâte de voir ce qu'il y a dedans. Puis t'avais deux figurines, Albator et Sonic, dans la méga woodbox. Bien sûr, après, vous avez toute la merde qu'il y a avec, hein. toutes les figurines que vous avez dedans. On commence par un petit truc plutôt sympathique. Un petit tableau de Zelda. Tu peux me le donner? Non, c'est enculé. J'ai dans le Master Geek, en fait. Un truc que je suis un peu deck, parce que j'ai vu direct Game of Thrones, je me dis, ah, Fatal, eh ben non. Des shooters! Qu'est-ce que tu veux foutre avec ça? Un sandar peut-être? Bois optionnellement aussi. Oui, je ne bois pas d'alcool, monsieur. Que du champomis. Ensuite, du coup, on a une autre petite figurine pop. Bon, mine de rien, elle est jolie, mais comme vous avez pu voir, c'est Dragon Ball Z. Hein. Je vais essayer de foutre encore plus de bois. Vas-y, fais attendre. Donc, petite figurine de Son Goku. Sympathique ça. Elle est pas trop dégueulasse. Ça va, ça passe. Hop. Et le clou du spectacle. Un petit t-shirt Sonic. Comme ça. Ça régale. Ça, c'est pas mal. Ça régale. Il est dard en vrai.
Il est pas mal. Bon, il est très froissé parce que je l'ai porté. Et qu'ils sont peut-être encore là-dessus. Ouais, ils sont là-dessus, ça sent d'ici. C'est mal de prendre des douches, Anthony. Pas du tout. Et vous avez un truc, je crois que c'est un magnète pour mettre sur le frigo. Mais ça, je sais pas d'où ça vient. Je sais, ça parle d'impératrice. Si jamais vous savez, mettez ça dans un petit commentaire en dessous. Ça me ferait plaisir. Donc voilà. Voilà pour ces petites woodbox. Du coup, je remercie ma chérie pour m'avoir offert ces 3 mois de woodbox. C'était quand même très sympathique de pouvoir recevoir un petit colis, puis en plus avec un thème, pas savoir ce qu'il y a dedans, donc ça c'est plutôt cool. Mais du coup, je le conseille, en même temps, vu que vous savez pas dedans, vous pouvez tomber sur de la merde comme la woodbox de la thème KO, que j'étais pas forcément très fan. Mais bon, ils m'ont régalé avec la légende, donc ça va. Donc voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour faire plaisir à toute la famille, quoi. Et puis à la prochaine dans de nouvelles aventures. Allez, ciao, ciao. You crazy mother. Yeah.